Styrax officinalis alibouffier. Originaire de Méditerranée pour l'officinalis, mais il y a d'autres espèces, parce qu'il y a plus de 100 espèces de Styrax, qui va pousser, qui seront originaires d'Amérique du Nord et d'Asie. Là, sur la Méditerranée, elle pousse dans les roches. Hein. On est au sud Liban, derrière notre maison. Il y en a ici, il y en a partout. Si on ne va pas voir avec la caméra, c'est trop loin, mais il pousse vraiment partout au Liban. Il fleurit au printemps, il donne ses fruits en été. Voilà. Attention aux fruits, c'est une plante, c'est un fruit toxique. Hein. Mais c'est aussi une plante médicinale. Et avant, les moines utilisaient la résine pour faire de l'encens et des crèmes et autres patati patata. Bon, bref, ça, il faut rentrer dans les détails. Aussi, à l'intérieur du fruit, il y a une graine très dure, une graine noire très dure, qui était utilisée aussi par les moines pour faire des chapelets. Bon, là, c'est pas le sujet. Moi, je parle un peu de la plante comme ça. Donc, elle supporte très bien la sécheresse. Elle pousse ici, elle passe ici 5-6 mois sans aucune goutte d'eau, il n'y a aucun problème. Et c'est une plante qui ne va pas trop grandir, disons 4 voire 5 mètres au maximum, au maximum. Voilà. Et pour sa rusticité, c'est entre moins 8 voire moins 10 degrés. Mais attention aux enfants, c'est une plante toxique.